Je vais continuer. Il y a notre Yvon Jérôme qui est en train de donner un discours. On l'écoute. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui avait pris l'initiative d'honorer de nombreuses personnalités et dans un esprit d'embryonnage. Et ce soir, le fait que Cubano devrait arriver au pays depuis lundi, ce n'était pas le cas. Il y a la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et que je demande au protocole d'accompagner la ministre ainsi que le président de la Chambre des députés, M. Charles Asensi, de nous rejoindre sur scène et un geste de respect va être effectué à l'endroit de Cubano. Et encore une fois, mesdames et messieurs, toute l'équipe de la fusion conduite par M. Daniel Lenné vous demande d'applaudir chaudement tous ceux qui contribuent à la réussite de cette tournée ici en Haïti. Si BS n'est pas trop loin, je lui demanderai bien de venir introduire la ministre ainsi que le président de la Chambre des députés. Et aussi, je me permets de saluer toute l'équipe, Caleb de Hameau, député Lochard et j'en passe. Spécialement vous, ingénieur Mio, bon bagage. Et dans l'intervalle qu'il arrive sur le podium, et je rappelle encore une fois rapidement les différentes dates retenues pour danser Stacha Cubano. Demain soir, c'est dans les jardins de Djumbala, en compagnie de Mascompa, Robert Matino, Félicia Ross. Et puis dimanche, on se déplace vers le sud, du côté des Cailles, presqu'île des Icac. Et au retour, on traverse, sous l'invitation du sénateur Edo Zeni, on traverse vers Jacques Merle, et puis on prend une pause. Mais normalement, ce soir, l'ambiance continue du côté des jardins de Djumbala. Ce soir même. La bonne est finie là, et puis nous passons là quand nous changeons, nous. Et puis nous traversons dans le jardin de Djumbala, et puis qui sont l'autre cadre extraordinaire encore, que nous pourrons découvrir, que nous invitons normalement. Et ne pas hésiter pour me continuer à remercier l'ensemble des directions et des ministères qui ont encouragé l'initiative ça, qui ont encouragé tourner ça, et d'autres partenaires du secteur privé que nous avons gagné pour nous rendre un hommage spécial. Mesdames et messieurs, encore une fois, on applaudit BS qui va introduire la cérémonie de remise. Merci. On va le faire différemment, mon ami Yvon, parce qu'il y a le député Caleb de Hameau qui se connaît certainement bien pour le service de micro. Il prend la relève, bien entendu. C'est un ordre. Et c'est l'une des rares fois qu'un simple citoyen passe des ordres à un député. Dégageons. Très bien. Remise de plaque d'honneur. Bonsoir à tous et à toutes. On écoute le député Caleb de Hameau de la circonscription Tabar. Avec la grippe, ça ne va pas trop bien. Et d'entrée de jeu, je vous salue au nom de l'État haïtien. Depuis quelque temps, je fais office d'homme d'État et j'ai avec moi une ministre et le président de la Chambre des députés. Donc généralement, on dit l'exécutif et le législatif se réunissent, donc l'État tient lieu automatiquement. Ce moment-là que nous allons vivre, c'est un moment assez mémorable, assez symbolique. On en a besoin dans ce pays parce que ce matin, moi en particulier, et les officiels, certains officiels qui sont là, nous étions au champ de Mars pour saluer le corps allongé de Mano Chalmay, mon ami frère. Maintenant, il est en terre à Verrettes. Mais je veux croire Mano est aussi vivant et Mano restera vivant. Par exemple, je dois saluer Visa FM depuis ce matin jusqu'à pareille heure, qui est en train de jouer les chansons de Mano Chalmay. Je salue cette station de radio particulièrement. Mais vous savez bien, s'agissant des derniers moments de Mano Chalmay, moi-même, c'était mon bon ami pendant que j'animais Matin Caraïbes. Et c'était un très bon ami. Également, nous tenons à saluer la mémoire de Boulo Valcourt, notre Boulo national. Boulo, malheureusement, reste aux États-Unis. Mais la vie de Boulo continue encore ici, en Haïti. J'ai été aussi à Washington saluer la mémoire de Papa Pierre, Jean-Claude Joseph. Ils sont tous comme ça à partir au cours de l'année 2017. Nous ne savons pas trop pourquoi. Mais étant donné qu'ils ont des racines, ils continueront à vivre.
Ce soir, nous sommes là pour saluer un autre élément de notre patrimoine musical, de notre patrimoine artistique et carrément de notre patrimoine immatériel. Je me demande pourquoi il a ce sobriquet de Cubain. Parce qu'il est une valeur sûre et une valeur immortelle de la culture haïtienne. Je parle de Jean-Élie Telfort, que je vous demande d'applaudir seulement en prononçant son nom, s'il vous plaît. La jeune génération comme moi, peut-être ne connaît pas trop, mais la génération comme moi connaît Kacha Number One quand même. Mais la jeune génération comme moi ne connaît pas quand Cubain était ce bel homme bien musclé. Je dis ce bel homme bien musclé, bien musclé, bien musclé, bien musclé, bien musclé. Bon, moi j'ai vécu une belle soirée de Skacha Tropicana. C'était au Cap Haïtien. Ça va faire très longtemps, à Tropicana Nightclub. C'était une soirée vraiment mémorable. Et encore ce soir, vous n'allez pas oublier cette soirée. Cubain, au nom de la nation haïtienne, au nom de la patrie commune, au nom de l'État haïtien, un grand merci. Je suis à la Chambre des députés, le président de la Commission Culture et Communication. Donc ce n'est pas pour rien que je sois là à faire ce travail. Et tout en n'ayant pas ma rosette rouge, mon chemisier blanc, mon pantalon blanc, je reste en forme, mais je ne suis pas belle. Belle en forme. Ainsi, je veux inviter le Dieu créa l'homme, mais les femmes d'abord. J'inviterai donc, ministre, je vous invite à me rejoindre. Elle n'est pas la seule au gouvernement, elle n'est pas la seule ce soir. La ministre à la Jeunesse, au Sport et à l'Action Civique est aussi là dans cette salle. Madame Régine Lamure, merci d'être là. Et tu as laissé Stéphanie tout seul, mais elle est avec nous. J'invite la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et la ministre des Affaires sociales à tenir cette plaque. Et j'inviterai aussi le président de la Chambre des députés, mon président, à la rejoindre. Et ensemble, j'invite Jean-Élie Telfort également à rejoindre ces deux officiels. Et ministre, je vous passe le micro, soit pour lire, soit pour déclarer. Vous avez plein droit. Merci Caleb. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger ne saurait laisser passer de façon inaperçue le groupe Skacha et particulièrement Cubano. Le 18 décembre dernier, c'était la journée internationale des migrants et des déportés. Et durant cette journée internationale, le ministère avait organisé une cérémonie d'hommage à la diaspora et particulièrement à certains champions. C'était un travail vraiment difficile de sélectionner certains groupes musicaux, médicaux, n'importe quelle sphère sportive. Alors, c'était très difficile pour nous. Mais Skacha Number One, je pense que vraiment, c'est pas le nous pas là pour nous honorer, non. Alors, c'est pour ça. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, vraiment, chapeau pour Skacha Number One. Et je vais demander au président de lire la plaque. Merci. Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, MAV. Honneur et mérite au groupe Skacha pour leur travail et leur contribution au rayonnement de la grande communauté haïtienne. En fait à Port-au-Prince, le 18 décembre 2017, Stéphanie Auguste, médecin, pharmacien, ministre. Eh bien, je remercie
du plus profond de mon cœur, j'externalise mes sentiments de fraternité. Je vous dis un grand merci. Je suis bien content que vous ayez, que j'ai reçu cette plaque. Et ça fait quelques moments, ou du moins depuis 1974 jusqu'à 2017, nous travaillons dans la mesure de nos faibles moyens pour apporter, ou du moins pour porter le drapeau haïtien à travers la Caraïbe, à travers les États-Unis, l'international, la France, un peu partout. Et nous disons que nous sommes fiers, nous sommes très contents du fait que le travail est réalisé, puisque nous avons fait du chemin et nous avons plein d'élèves qui nous ont suivis et qui ont vraiment travaillé pour la culture haïtienne. Je dis merci au président, merci madame la ministre. Et quand nous voulons faire, nous voulons penser aussi à Bolo Valcourt, à Mano, des musiciens exceptionnels qui sont partis. Ils sont partis un peu trop, mais nous sommes obligés bien de nous plier à cette exigence. Mais nous disons, quand nous perdons quelqu'un de très important sur la terre, nous gagnons un ange dans le ciel qui veille sur nous et qui nous protège. Ok, alors à tout le monde, je vous dis merci. Et au nom de Dieu qui m'a donné le talent pour pouvoir vous amuser, pour vous apporter la joie, je vous dis joyeux Noël, bonne année, bonne fête. Et je dis merci à Fusion Productions, particulièrement le PDG, monsieur l'ingénieur Daniel Lenné, monsieur le président, madame la ministre, encore une nouvelle fois, merci. Merci le public. Merci. Le Skacha number one, vous venez d'écouter les mots de Kubano. Je rappelle, c'est un ancien maître de cérémonie. Avant d'être chanteur, il était maître de cérémonie. Donc Kubano, qui est toujours élégant, qui a toujours les verbes, malgré... Il vit aux États-Unis depuis un bon bout de temps. Bon, en Haïti, c'est très important quand même. Bon, en tout cas, ça va continuer. On écoute le député Caleb Deramo, journaliste animateur de radio qui pour le moment se trouve une place au niveau du Parlement haïtien. On l'écoute terminer son discours avant la continuité de la soirée avec le Skacha number one qui probablement va nous interpréter Macho Man, va nous interpréter Merci Dieu et autres pièces répétées par l'équipe. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis Haïti. Giwewe Live, Visa FM, Radio Sud-Est, Giwewe tous les soirs, 7h-9h, 19h, 21h, sur Haïti à travers Visa FM, Giwewe Radio. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, pas oublier le 7 avril, le 6 avril je dirais, rendez-vous avec la formation Harmonique et la formation Disciple de Gazman Couleur. À Miami, l'ex Community Ballroom. 24 décembre, Richel Guillaume, Harmonique Kai, Jackout Number One, Downtown Miami, l'ex Downtown Miami, Revolution Live. 24 décembre, ce dimanche, n'oubliez pas, Bébé Frita est à New York City, n'a pas salué. Et n'a pas salué des deux chiropracteurs. Cam transfert. Cam transfert. Cam transfert. N'a pas tourné sous détail. Bon. Entendez. C'est toute famille comme ça. C'est toute famille. Et bon, saluer Eddy, c'est dernière expérience, Eddy, c'est qui bon dit Bookman Experience. Donc, on va pas contre le monde ça. Mais Eddy, c'est guitariste, c'est qui bon dit Bookman Experience. Eddy, son gros pianiste. Et dit me content en Haïti, mes amis, bâton pour voir vous pouvez dire vous, s'il vous plaît. Ça c'est affaire pam, frère pam. Affaire pam non. Et oh. Son lourd. Monsieur. Bon. Pas trop ça non, c'est bon, vini boy ici monsieur. Monsieur dame, bon dit nous bagaille. Par en Haïti qu'on y a moi nous qui tendance détruire monde. Monsieur ça qui bon côté maintenant compagnie qui fait guitare sous la terre décidé pour des fonds guitare pour des noms Macario Césaire. Ma prendre comme bagaille ça trop ici. Et dans chaque expérience du magique de la guitare que on fait ici, chaque fois Macario vient, soirée à gâter.
Parce que depuis Makarios Vili, ça l'a pu avoir les guitares encore. Makarios, au nom d'Haïti, merci. Nous comptons là et mandé un bâton gros bravo pour Makarios, s'il vous plaît. Bon, fini un musicien fantôme. Bon, ça c'est T-Sylvain. Ça c'est T-Sylvain parce que bon l'autre grand frère qui vient pour les chics dans Miami. Qui faut Sylvain? Le Miami a envie de manger. Demain soir, qui nous a fêté, M. Sayo avec Fantôme, il fait une pile belle expérience. Jojo. Gérald. Gardez, Gérald. Frappez tant pour vous, mon Dieu, merci. Bien content. Je suis content. Je suis en pile méloman content là. En pile méloman content. Bon. Monsieur. Balmouto, respecte ton député. Ah ben, ouais. Bon, attendez. Cacha number one, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est la fin de discours, si on peut le dire ainsi. Donc, ça va continuer. 001-509-42-21-28-28, vous nous écoutez d'où? Vous nous faites signe via WhatsApp, Guy Wewe, en direct, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Merci de nous avoir choisi. C'est ça, mon ami, c'est ce qu'il faut dire. Bon, en tout cas, nous sommes en direct, il est exactement minuit et 35 minutes en Haïti. Je ne sais pas à quelle heure il est au niveau de la Martinique, puisque je suis très branché sur la Martinique. Bernier Sylvain, un animateur de radio très connu en Haïti, est en train de réintroduire ou bien d'introduire la deuxième partie de la soirée avec Skacha. Ouais. La prestigieuse présence du maestro Sergio Rosenthal dans notre enceinte. Nous l'applaudissons très fort. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est le 22 décembre. Le 22 décembre, une date qui rappelle l'anniversaire de la création des Chleu-Chleu, dont je fus partie en tant que Cubanois. Ouais. Et je trouve que c'est normal, je voulais faire attention. Il fallait bien que... Je veux appeler Sergio. Sergio, tu viens sur là, c'est un petit moment. Sergio. Parce que tout le monde a dit « Jean, il était fort, Jean, il était fort ». À un certain moment, on m'appelle Cubano, mais je dois vous dire que c'est grâce au maestro Sergio Rosenthal qui était fait partie, qui était choisi nous pour nous décaper chanter dans Chuchleu. À l'époque, qu'on a fait acquisition de musiciens quand les Chuchleu étaient à New York. On est toute histoire. Chuchleu parti, musiciens étaient à New York, un peu retourné, ils ont fait acquisition d'autres musiciens parmi lesquels on devait choisir entre 14 chanteurs et j'ai eu la chance d'avoir été choisi par le maestro Sergio Rosenthal. Et à un certain moment, pas une question trop française, non, parce que c'est la langue officielle de notre pays, il faut bien respecter ça. Hein. Il n'y a rien que tu puisses faire sinon que nous plier à cette exigence. C'est notre langue. Hein. C'est pas nous, nous travaillons pour ça. Ok. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir très très fort Sergio Rosenthal, mesdames, messieurs. Non. Je salue tous les fanatiques du Skacha. Et qui dit Skacha, c'est Chleu-Chleu. Parce que Chleu-Chleu a été à l'origine du Skacha. Donc, ce 22 décembre est une date mythique dans les annales du compas direct parce que les Chleu-Chleu fêtaient leur anniversaire le 22 décembre. C'est ça. Dit. Donc, c'était belle époque. Belle époque. Donc, et j'ai eu la chance de rencontrer Cubano quand il est venu, peut-être timide. Et j'ai choisi Cubano. Hein, donc, et c'est bon, c'est quoi que je suis pas tellement content parce que l'un des membres, non, monsieur, tu dit Cubano, dit monsieur, on s'arrive. On est même sur mon province. C'est paysan quand même, c'est paysan nous, quand même. Je suis en province, monsieur, après, il est Cubano. Et puis, il me dit, ah, monsieur, on s'est passé, pas changé de nom. Moi, les gens, ils lisent, pas changé de nom, il est Cubano. Monsieur, on prend là, toute notre personne. Chaque fois, il me passe, il dit, Cuban, ça que t'es pour me dévouer, Roche là, pas tant rien encore. À la fin, m'oblige à accepter, non, mais Kouya Bala, moi, il est Cubano. Ok, bon, je voulais jouer pour nous à soir, mais ce sera pour une prochaine fois. Parce que tu as un petit problème là, sur ce déjà. Donc, tout préparatif que je fais, bon, ce sera pour une prochaine fois. D'accord. Je suis content que nous dansions ces belles images, musique ça que nous composons. Et puis, Cubano mettait parole. Et comme je dis, non, ce sera pour une prochaine fois. D'accord.
OK, merci. L'histoire de cette chanson Belle Timachane, selon les dires de Cubano, son musique que monsieur a composé et pendant au tal jeu Martinique, pendant autant hôtel là, il y a un tableau qui était en machine sous lui, son tableau, et à partir de tableau là, il fait musique qui relait Belle Timachane. Donc son tableau martiniquais qui inspirait musique Belle Timachane. Askacha number one et Ashle Shle d'abord fait une version originale là, c'est pour Ashle Shle, c'est pas Askacha qui version originale Belle Timachane là, version originale là c'est de Ashle Shle, après ça Askacha vient interpréter. C'était ça, donc vraiment c'est une très belle histoire. Papa me rete Port-au-Prince, maman me rete Port-de-Paix. Chaque décembre, chaque Pâques, chaque fois faire vacances de l'école Kay Frère, m'obligé prendre machine pour m'entrer Port-au-Prince pour venir côté papa. Mais chaque fois que je suis dans le café Gonaïve, je prends poussière depuis le port de paix jusqu'à Gonaïve, poussière, monsieur. Mais comme chaque jour, je me dis, monsieur, je ne sais pas qui est pour ça arriver pour un jour, pour t'attaquer à la fête, pour bailler au cartouche à Pibien. Ouais, mais il paraît qu'actuellement, il y a un bel travail qui a fait et grand pile de kilomètres de route qui a développé. Je me dis, numéro 1, merci pour ça. Je me dis, monsieur, merci pour ça. Et puis, continuez à faire travail là, parce que, mon cher, moi-même, je suis en petit moment, c'est pour une femme. Madame Tripotaille, non, monsieur, madame politique. Mais, moi, je suis à travers Internet, je n'ai pas payé pour me dire ça, m'a dit jamais. La vérité, c'est que moi, quand le travail qu'a fait, je connais, mais ça, je suis content. Je suis content, nous dit, nous faisons ça, nous voulons. Moi-même, je me dis merci parce que c'est mon pote de premier. Je dis, gros bagage électrique qui va le faire. Nous ne pouvons pas faire encore dans le pote de paix. Mon cher, mon pote de paix, mon a dit ça, vous voulez. Moi, je suis content, petit numéro 1. Merci beaucoup. Bon bagaille. Continue à faire.